Deuxième jour. L'hiver se fait de plus en plus rude. Ah oh putain, on a été pillé. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Combustible idiot. Ok. Bon, on va récupérer la bouffe. Il y a de la bouffe là-bas, non, ça. C'est pas encore prêt. Donc il va falloir que j'aille à l'école abandonnée. C'est là qu'ils auraient kidnappé le docteur qui, normalement, a vu ma fille. Ça reste à confirmer. Du coup, j'ai récupéré un morceau de poulet. Je vais en mettre un autre. Voilà. On va manger un petit peu. On va se préparer un petit truc. Qu'est-ce que j'ai dans ma bio? Lorsque je suis arrivé à l'hôpital, Amelia avait déjà été emmenée ailleurs. Je dois parler à ce médecin avant que ce soldat ne le tue. Nous, je ne le trouverai jamais. Ouais, donc... pour rappel, hein, les soldats ont kidnappé le médecin. Et normalement, les gens qui sont kidnappés sont amenés dans une école abandonnée. Donc on va sortir là-bas ce soir. Merde, j'ai pas cette flotte. Oh, les bâtards. Non, je peux en récupérer ouais, dehors. Ça va être une sortie compliquée, je pense. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il veut pas? On va chercher de la flotte en bas. C'est combien de degrés? 5 degrés. Où est-il, la porte est verrouillée? Quelle porte verrouillée? Allez, récupère récupère la neige là. Allez, médecin capturé par les soldats et ma seule chance de retrouver Amelia. C'est clair. Ça me semble que je pouvais pas améliorer le chauffage. Ah ouais, il manque un thermo machin là. J'ai pas de combustible. Va falloir que j'en crafte vite fait. Tiens, y'a un mec qui arrive. Ouvrez, j'ai quelque chose à troquer. On va le faire avec les livres. Enfin, 4. Fabriquer. Tu vas attendre, garçon, tu vas attendre. Il est en train de se les plier, le mec, dehors. Donc je dorme avant ce soir, il est 10h30 du matin. Attends, hein, attends un peu. J'arrive. Je pourrais utiliser ça. Alors attends, on va prendre un filtre aussi. Faut que je fabrique un filtre pour récupérer la flotte. J'arrive, j'arrive. Bah, c'est pareil. En même temps, je crois que j'ai rien à troquer avec lui, mais bon. Ok. On va aller le voir. Attends, attends, attends. Je mets juste un peu de chauffage. Histoire que ça chauffe la maison. J'arrive. Voilà. Il va falloir que je récupère du bois ou autre hein, pour chauffer la maison. Passons à marché. Qu'est-ce que t'as de beau? Qu'est-ce que t'as de beau qui pourrait m'intéresser? Consommable, ça pourrait m'intéresser. Combustible, là. Les crayons, je les garde pour ma fille. Du sucre, ça t'intéresse du sucre? Pour l'instant, je m'en fous du sucre. Pas assez! Tiens, de l'herbe. Tiens, des feuilles. Voilà. C'est tout? Le reste, je garde. J'en ai besoin. C'est quoi ça? Un mixeur. Il permet de mélanger la poudre à canon. Je garde, j'en ai besoin. Allez, salut. Ouais, j'espère pour toi aussi. Il fait que 4 de... Ferme la porte, ferme la porte, ferme la porte. Ah, t'es gentil. Du coup, fait 9 degrés. Oui, le filtre. Et après, on va se coucher un peu. J'allais dormir. J'ai pas mangé en fait. Je voulais faire la bouffe, mais j'ai pas mangé, je crois.
Pourquoi je peux pas là? Il y a quoi déjà? J'ai raté un truc? Ah, peut-être que c'est en cours de récupération, j'avais pas fait attention. J'ai pas mangé du coup. On va manger un peu. Ah, mais j'ai pas assez d'eau, c'est ça. Je perds la boule, faut que j'aille me coucher. Allez, au dodo, on mangera demain. La neige aura fondu normalement. Allez, dans nos affaires, normalement la neige aura fondu. On fait comme ça. Allez, on fait dodo jusqu'à ce soir. Et on va aller à l'école abandonnée. On va y aller armé. Et j'espère que ça va bien se passer. Terminé la journée. Alors, attends. Chercher Amelia. Il a dit école abandonnée. École bombardée. Aéroport. Celle de la ville. Je vois que ça, là, l'école. La traînée de la pharmacie mène soit à la station service. Soit là, soit à la station service, d'accord. Amelia allait à cette école. Il paraît qu'elle serait maintenant envahie par les sans-abri. C'est école abandonnée ou école bombardée? Ça devait être école bombardée. Hein. Allez, on va à l'école bombardée. On prend ce qu'on a à prendre. On y va comme ça? Ça devrait le faire. On y va comme ça. Croisons les doigts. On va essayer d'avoir des informations et de retrouver Amelia. Bon les amis, je me suis complètement fail. Je devais pas aller à l'école bombardée. Je sais pas si vous avez vu en haut à gauche, il y avait le magasin de jouets. Donc je vais vous passer rapidement cette sortie nocturne. Et la journée qui suit, il s'est pas passé grand chose. Je voulais juste crafter un crochet, mais j'ai crafté un pied de biche. C'était la journée des fails. Donc là je vous amène directement sur la sortie nocturne du 17e jour. Et vous allez voir que ça va pas être de tout repos. Magasin de jouets. Amelia adorait aller dans ce magasin de jouets avant la guerre. Les soldats l'ont désormais transformé en centre d'interrogatoire avancé. Ah. Bah, c'était pas du tout l'école alors. Apparemment c'est ici qu'il garde le malheureux médecin. Elle y était pas tout à l'heure le magasin de jouets? Ok. C'est ici qu'il garde un seul. Lui doit savoir où se trouve Amelia. Il vaut mieux que je me prépare avant d'y aller. Ok. Bon bah écoute, il me semble pas qu'elle y était tout à l'heure le magasin. Il y était tout à l'heure le magasin de jouets. De toute façon, vous pouvez pas me répondre, mais il me semble pas. Allez, on se prépare. Est-ce que je prends le crochet quand même? On prend le crochet quand même. Et tac et tac. Oh putain. C'est parti. J'ai pas vu tout à l'heure magasin de jouets s'il y était. Oh. Il dit que les soldats gardent le médecin, il pourrait savoir où se trouve Amelia. On va faire super attention. On va y aller discrètement. On va ramasser ce qu'on a ramassé entre temps. Hop. C'est quoi ça? Le bombardement a causé tant de destruction. Arrivons-nous jamais à tout reconstruire? Perso là je m'en fous un peu de ce qu'il y a à reconstruire ou pas. Je suis en train de chercher ma fille qu'autre chose. Une mallette. Je ne vois pas de soldats pour l'instant, mais je dois rester prudent. Ah, des munitions. C'est bon ça. Ça, ça va être la guerre. Ça va être compliqué. Attends, on va marcher doucement, discrètement. Ça sert à rien d'aller trop vite. À l'extérieur. Et donc il a parlé? Pas encore, mais ce n'est qu'une question de temps. Ils doivent parler du médecin peut-être. Qu'est-ce que je fais du coup? Ça va être chaud hein. Vous pensez que je peux monter là-haut là? Débarrassez-moi de ça en vitesse, je commence à avoir faim. Oh putain. Là il ne prendra pas longtemps. Sois armé. Je vais retourner au sous-sol.
Tenir le boulot, garder un œil sur les insurgés. C'est chaud. On pourrait les buter tous les deux, mais... Trop risqué. Pas de soucis, amuse-toi bien. Oh putain. Est-ce que je peux me le faire discrètement là? Je préfère mille fois monter la garde que de mener un interrogatoire. Oh putain, ça pue. Y'a moyen de monter là? Négatif. Allez, on avance. Ça va être chaud les amis, ça va être très très chaud. Il est monté là. Il fait sa ronde. Il va redescendre. Négatif, négatif, on se cache. Si j'avais un couteau, j'aurais pu l'agresser. Faut que je referme la porte. La grille, la porte, elle était à... Mais monsieur, ne te fais rien de stupide. Il me voit pas! Il sait qu'il y a quelqu'un. Oh putain, je suis sous pression, les mecs. Je vais pas savoir. Merde, en plus c'est même pas un crochet que j'ai fait, c'est un pied de biche, je viens de le voir. Le boulet. Pas plus mal à la limite du coup. Il y a des trucs pour enfants. C'est un pied de biche que j'ai fait, j'aurais pu lui mettre un coup de pied de biche, tiens. Dans la pile du document trône une note du quartier général. Les insurgés chercheront à fuir la ville via le couloir humanitaire. Ils tenteront de se faire passer pour des civils... En tant que parent d'enfant, ne vous laissez pas berner, traitez-les comme il se doit. Ok. En bas, ils sont en bas, ils sont en bas. Regardez tout le monde qui est en bas là. Chaud, c'est chaud. C'est lui le médecin. Qu'est-ce qu'il fait l'autre là-haut là? Reste là-haut, descends pas. Foutaise, tout l'hôpital leur servait de couverture. Je ne faisais qu'aider les gens. Arrête de mentir, tu aidais les rebelles. J'aille pas ma fille dans cette pièce. Oh, il prend des patates, j'ai l'impression là. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait lui? Reste là-haut toi, reste là-haut. Où sont les survivants? Où les avez-vous envoyés? Reste là-haut toi s'il te plaît. Je vais vous le dire, mais arrêtez de me frapper! Ah! Niquez vos... Putain! Merde! Adam est mort. Je ne cherchais pas des provisions, je cherchais ma fille. On y retourne. Bon, on y est. Ça va être tendu. Ça va vraiment être tendu. Je dois aller au magasin de jouets. Ça, je sais. Alors, tout à l'heure, comme un con, j'ai crafté un pied de biche au lieu de crafter un crochet. Et en plus, c'était un... Enfin, j'ai fait n'importe quoi. Je vais voir si c'est possible de crafter un couteau. Parce que quand je me cache, là, je peux le tuer tranquillement. Voilà. On va crafter un couteau. Et l'autre, quand je suis caché en fait et qu'il passe devant, normalement je peux le tuer avec le couteau. Et en fait le problème c'est qu'il a suivi, bah il a super bien réagi parce qu'il a vu des portes ouvertes et tout ça. Et il a fait une vraie ronde quoi. Bah on y retourne. On y retourne, ça va être ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, il va falloir que je sauve le médecin, alors je sais vraiment pas comment. Ou alors que j'écoute juste l'interrogatoire. Je sais pas. Je pense que ça va. On risque de la refaire pas mal de fois cette journée-là. Mais c'est super intéressant. En tout cas, c'est une
une phase de gameplay que j'avais pas vraiment... J'avais pas vraiment fait jusqu'à présent. Et ça change la façon de jouer et il va falloir être prudent. Et essayer de tuer des gens. Chose que j'ai pas l'habitude de faire, même si je l'ai fait la dernière fois. Mais là, ils sont trois. Trois mecs. Ça se trouve, ils sont plus. Hein. En tout cas, pour l'instant, ils sont trois. Allez. On récupère vite fait ce qu'on a récupéré comme tout à l'heure. Tac. Là, on le lit juste pour le lire. Et en fait, on s'en fout. On verra plus tard pour la reconstruction de la ville. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rechercher ma fille, de retrouver ma fille. Tac. On récupère ce qu'il y a là aussi. Et après, on ira les écouter à l'entrée. On va attendre que l'autre fasse sa ronde. Et on va se cacher en haut. Si c'est la même ronde qu'il fait, on va lui mettre un petit coup de couteau. Bon, ça, ça peut servir, on verra. Attends, 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 voilà. Ouh, souhaitez-moi bonne chance, les amis. Ça va être tendu, 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 tendu. Et donc, il a parlé. On va les laisser parler. Après, on va monter à l'étage, là. Tac. Le plan qui est là. Et quand il va passer... On va lui mettre un petit coup de couteau. Normalement, c'est faisable. Je l'ai bien pris, on est d'accord. Je l'ai bien pris. Je vais me planquer quand même quand il va partir. Parce que ça se trouve, il va changer sa ronde. Il va partir à l'extérieur. Donc. Ah, puis la musique, elle est énorme, la musique dans ce jeu. Elle va vraiment avec l'ambiance du jeu. Elle fait partie intégrante de cette ambiance, quoi. Amuse-toi bien. Ouais, ouais, enfoiré. Alors, attends, il va par où? Ok, il va par là. Dès qu'il rentre ici, moi, je monte là-haut. Je vais monter en bas en même temps. Ça fait deux fois que je le dis, je crois. C'est le stress. J'ai le stress, là. J'ai la pression de ouf. Allez. Tac. On fait pas le con, on avance, on ferme la porte, on va se planquer là-haut. Hop. Et là, normalement, avec mon couteau, je dois pouvoir l'agresser quand il va passer. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer ses affaires? Je ne crois pas. Il est en train de lire un livre ou quoi? Allez, viens, fais ta ronde là. J'ai pas beaucoup de temps devant moi. Le truc, ça par contre, c'est un peu mal fait parce que je vais devoir rentrer chez moi. Mais franchement, entre nous, je vais pas rentrer tant que j'aurais pas tué le docteur, enfin tué pas le docteur, mais tué les autres là. Ah, il arrive. Il arrive, il arrive. Pff, allez. Maintenant, ça doit le faire. Je sais pas comment on fait. Je sais plus s'il faut cliquer sur lui ou sur. Mais non! Mais bordel, tue-le! Ah putain, je me suis blessé bêtement là. Pourquoi il a pas... Mais non! Ah putain! Je sais même pas comment ils ont entendu qu'il y avait une bataille. Alors attends. Donc c'était bien ça, quand il passait devant moi, je pouvais lui mettre le coup de couteau. On y retourne les amis. Ça a été une session de let's play un peu particulière. On y retourne, on recraft un couteau et c'est reparti. Allez. Je crois avoir compris un truc, en fait quand le mec est trop près, on peut pas lui tirer dessus. Du coup il met des coups de couteau, on s'en fout de ça. Je crois que c'est pour ça en fait qu'il voulait pas tirer. Parce que lui non plus il m'a pas tiré dessus. Donc faut vraiment que je l'intercepte quand il passe devant la porte. Faut peut-être que je sorte le couteau avant aussi. On va voir, on va sortir le couteau avant. Une fois que je l'avais sorti, j'ai pu poignarder le mec dès qu'il passait. Voilà, on va faire ça. Voilà.
Là, doucement, 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 doucement. Marche doucement. Allez, raconte leur blabla encore. Là, ça devrait le faire normalement. Et du coup, il y a un truc qui était bien dans tout ça, c'est que ça a fait venir tout le monde. Mais il faut les allumer, quoi. Ah, attends, je peux faire quoi? Tac, je le tue ici. Je le tue ici. Est-ce que si je le tue en une fois, les autres vont rappliquer? Je ne pense pas. Là, en fait, c'est parce que ça a fait du bruit. Imaginons que le mec, il ait gueulé, ça a rameuté tout le monde. J'ai eu le deuxième, mais bien sûr, j'ai pas eu le troisième. Bon, en tout cas, on est d'accord. Pour l'instant, ils sont toujours que trois. N'empêche, je sais pas comment ils ont fait pour entendre. Hein. En tout cas, on est d'accord qu'on peut sauver le... On peut sauver le docteur. Et donc du coup, on pourra le ramener peut-être à l'hôpital. Et il pourra peut-être nous donner des informations sur notre fille. Enfin, sûrement, je pense. Allez, barre-toi de là, toi! Je fais quoi? Je l'allume? On tente? Attendez, est-ce qu'ils vont arriver, les autres? Genre, ils montent pas, là! Allez, allez, allez! Coup de couteau, Tipex! Allez, on le termine! GG! J'ai plus de mune! J'ai plus de mune. Ah, tout à l'heure, on pouvait l'ouvrir au pied de biche, cette merde. Là. Attends, docteur, j'arrive. Juste essayer de récupérer d'autres matériaux. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Et il doit demander ce qui s'est passé, le docteur, là. Il a pas dû trop comprendre. On sait jamais s'il y a du monde ici. Voilà. Oh, il n'y a plus rien à récupérer, en fait. Ah, mais c'est parce que... Attends, je suis con. J'étais en mode combat, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça. Oui, il y a l'air d'avoir quelque chose d'intéressant par là. J'ai pas de pelle. On y reviendra plus tard. Y'a pas moyen de monter là-haut, si y'a moyen. Y'a quoi là-dedans? J'arrive, docteur! Il est 1h30 du soir, de la nuit, là. On fout de ça. Ça peut servir, ça. Qu'est-ce qu'il a, le fauteuil de particulier? On m'a informé que les soldats ne laisseront personne sortir de la ville. Le couloir militaire est un coup monté. Ils comptent tuer tout le monde et rejeter la faute sur les rebelles. Avertissez tous ceux que vous pouvez. Oh putain. Quelqu'un savait qu'un massacre aurait lieu, mais n'a pas prévenu la population. Quel salaud. Ah, le bordel. J'ai pas moyen d'aller là sans... Non. Tant pis. Et normalement, je dois pouvoir récupérer, du coup. Attends, je dois pouvoir récupérer ce qu'ils avaient sur eux. Je suis bête. Ouais. Ça doit être faisable. Mais oui, je suis bête. 2h du matin. Ah, faut que j'aille voir le docteur quand même. Un couteau, on s'en fout. Oh, je crois qu'on va être bien être armé, les amis. Ok. Tac. On reprend le fusil, on sait jamais, ça peut servir pour du troc. Tac. Et le troisième, je les ai alignés tous les trois au même endroit. J'ai de légères blessures, mais normalement ça va, j'ai des bandages à la maison. Ok. Ah, on récupère les fusils. Allez, vite, on va voir le docteur. Vite, 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 2h40. Bonjour, docteur. Attends, il y avait un truc intéressant ici. Juste, j'arrive, docteur. Je veux juste ne pas voir revenir ici, en fait. Comme j'avais pu le pied, c'était parce que tout à l'heure j'avais le pied de biche. Bonjour docteur. Je pouvais l'ouvrir tout à l'heure avec le pied de biche, mais là c'est mort. Ah, ça c'est pas mal.
La flotte, on s'en fout. Allez, on va parler au docteur. Non, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Je ne vous veux aucun mal, monsieur. Je suis venu vous aider. Et vous, vous allez m'aider, en retour. Détendez-vous, vous êtes en sécurité à présent. Ma fille Amelia a été amenée à votre hôpital. Où est-elle maintenant? Merci. Je crois que c'était fichu. J'étais fichu. Il faut que je lise bien, je vais trop vite. Je ne me souviens de rien. Ils m'ont gardé ici si longtemps. Oh, mytho. Où est-elle? A-t-elle été amenée au corridor humanitaire? Probablement, j'y ai envoyé la plupart de mes patients. Putain, personne qui revient vivant de là-bas, quoi. Où est-il situé? Dites-le-moi. La vieille église. Vous devriez aller à la vieille église. Ok. C'est tout? Tout ce que t'as à me dire? Même pas un merci? Pur. Tu mettrais bien un petit coup de couteau, toi aussi. Merde, faut que je rentre. Ah, il y avait un truc à récupérer là-dedans. Je serais jamais rentré avant. Je crois que je vais pas avoir le temps. Allez, barre-toi. Faut que je sois sorti avant 5h. C'est faisable. Allez, Adam. Ah, c'est bon, on l'a fait. Yes. Bon, faut qu'on aille à la vieille église maintenant. 18e jour. On a été pillé ou quoi? Non, la nuit a été calme. Par contre, je vais devoir vite aller me soigner. Faut que je me mette un bandage. Oh, je suis déprimé mais déterminé. J'ai besoin de repos, j'ai très faim. J'ai réussi à sauver le médecin des mains de ses meurtriers. Il m'a dit de parler au père d'Amir à l'église. Lui sait où se trouve Amelia. Nous serons bientôt à nouveau ensemble. Ok. Je vais devoir manger, il fait 3 degrés. Il commence à faire froid. Est-ce que la neige a fondu? Non. Est-ce qu'il faut qu'il fasse plus chaud pour que la neige fonde? Je ne sais pas. Allez, bandage, on va arrêter de courir, on va manger un peu. On va se préparer un petit plat. Mais j'ai toujours pas de flotte, putain! Je suis bête, j'ai de la neige. Je peux fabriquer. La flotte. Ici, c'est long hein, pour que les rats prennent, viennent. Je suis en train de faire n'importe quoi. Je suis tellement préoccupé par sauver ma fille que je passe à côté de trucs super simples. Et c'est ici que je pouvais faire fondre la neige, quoi. Tout à l'heure, j'aurais pu manger. Bon, c'est pas plus mal. J'ai très faim, je me prépare un petit plat. En même temps, ça sert à rien d'avoir trop de choses dans ses affaires, parce que sinon, on peut se faire piller. Alors, je fais quoi? Faut que je mette un peu de chauffage déjà, parce que sinon je vais tomber malade et ça va pas le faire. Allez, j'ai encore très faim. Enfin, j'ai encore faim, pardon. On va augmenter un peu le chauffage. Et après, je pense qu'on va aller faire dodo. À moins que je puisse améliorer. Bah non. Toujours pas le thermorégulateur. Faut que je fasse chauffer la maison. Je vais tomber malade. On va le faire avec du bois. Hein. On va fabriquer 7. J'en ai marre de tout ça. Lâche pas l'affaire. Adam, lâche pas l'affaire. Ah, j'ai 3 armes hein, quand même, je vais pouvoir troquer. Hein. Et l'autre il vient toquer à la porte là, je vais pouvoir récupérer pas mal de choses, je vais lui donner une arme et il va être content. Ça sert à rien moi que j'en ai 3. Ça peut aider les autres. On va se rebeller contre la société. Les militaires sont des escrocs, ils tuent tout le monde. Au barrage humanitaire, c'est n'importe quoi, le couloir humanitaire c'est faux. Tout le monde meurt. Putain, et ma fille est partie là-bas, bordel. Faut que je prévienne le mec de l'église, le prêtre. Faut que je le prévienne. Il fait 2 degrés. Vite du chauffage, il fait froid dans la maison. En plus, faut que j'aille dormir. Ça va pouvoir me soigner aussi. J'aurais très bien pu aller à l'hôpital. Mais j'ai de légères blessures, c'est pas...
pas trop méchant. Allez. Inutile d'ajouter du combustible. Ok. Allez, on va se coucher. Pas mal de bois quand même, ça c'est pas mal. Attends, j'aurais peut-être pu... Attends, j'aurais pu faire un truc avec le bois. Allez, on fabrique au moins une barricade, ça va... Il va la mettre où? Il devrait faire un peu moins froid. On va fermer un... Puis ça évite aussi aux pilleurs de venir. C'est ici qu'il le met, d'accord. Donc là, il va construire une barricade, il va fermer la fenêtre. Et après, je vais me pioter. Voilà, donc là c'est fermé, il fera déjà un peu plus chaud, il fait 8 degrés, bon c'est pas, on connaît mieux, hein. On a connu mieux mais c'est pas grave. Allez, on termine la journée comme ça, ça va permettre de me reposer et avec les bandages aussi de me soigner. Si je cours les bandages, ma plaie va s'ouvrir. Alors, vieille église, une petite église ancienne à la périphérie de Pogoren. Apparemment, le point de rassemblement pour les personnes souhaitant emprunter le couloir humanitaire. Est-ce que Amélia a été évacuée ou est-ce qu'elle est encore là-bas? Il faut que je le sache. On y va. Bien sûr, hein, les amis. On n'y va pas les mains vides. On est d'accord? On y va, équipé bien comme il faut. Pour le reste, Et je comprendrai pas le crochet. Dans le crochet, on va garder pour si jamais il faut que je retourne. Je pense qu'il y avait des choses intéressantes dans l'armoire là où il y avait les militaires. Chercher Amélia, bien sûr. On y va. À la vieille église. On va essayer de tuer personne dans une église, bien sûr. Mais on sait jamais. Maintenant qu'on est armé, faut faire très attention. Tant de cadavres. Est-ce que ce sont les gens qui sont venus dans le couloir humanitaire? Ah merde. Oh, mais lol. What the fuck? Un civil abattu d'une balle dans la nuque, il s'agit clairement d'une exécution. Mais c'est plus une église! Ah putain! Je suis pas sûr que le prêtre soit encore en vie. Encore des cadavres, ces gens ont été rassemblés et tués de sang-froid, un véritable massacre. Il nous faut du sang, beaucoup de sang et vite. Ils ont l'air d'être friendly quand même. Bonjour! Excusez-moi mon père, je cherche ma fille Amélia. Je vous en prie, dites-moi qu'elle n'est pas morte dans ce massacre, dans le massacre. Ce n'est pas le cas. Déjà, elle a l'air de la connaître. Dieu merci. Est-ce qu'elle est ici? Oui. Vous pouvez aller la voir, je prie pour elle. Oh, elle est là! Amélia! Vous pouvez me soigner madame s'il vous plaît? Ok. Elle est là. Mais elle est où bordel? Vous l'avez pas foutu dehors quand même? Amélia! Son état empire minute après minute. Ne meurs pas. Je t'en supplie, Amélia. Ne meurs pas. Je vais trouver un moyen de te sauver, Amélia. Ma fille. Les souvenirs reviennent. Oh mon Dieu, je crois. Je crois que je me souviens. Il doit y avoir des médicaments par ici. On est à la pharmacie. Fais chier. Ne marche pas. Je suis en train de lui faire un massage cardiaque, pardon. Le médecin est notre seul espoir. Je ne pouvais pas vous aider tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Adam, qu'est-ce qui t'arrive? De quoi tu te souviens?
Où est Amelia? Oh mon Dieu. Je vous en prie, aidez-la. C'est moi qui l'ai amenée à l'hôpital? Je suis désolé. Est-ce que c'est moi qui l'ai amenée à l'hôpital? Vous arrivez trop tard. C'est moi, cet homme, qui l'ai amené à l'hôpital et c'est pas mon frère. J'avais oublié tout ça. Je cherchais Amelia qui en fait était déjà morte. Oh putain. Oh mon Dieu. Mon ange. Oh putain. Amelia, je... Mon Dieu, c'est pas possible. J'avais juré, j'ai échoué. Ma fille est morte. J'ai remué ciel et terre pour te sauver. Vous avez appris la vérité sur ce qui est arrivé à Amelia. L'amnésie dissociative est un trouble de la mémoire caractérisé par une perte soudaine et rétrograde de mémoire. Elle est causée par un grave traumatisme ou épisode de stress tel que la mort d'un être aimé. La personne affectée oublie l'expérience douloureuse comme si rien ne s'était produit et vit dans le déni. Franchement les amis, je m'attendais pas du tout à cette fin. Et c'est un truc de fou. Il est énorme, encore plus dans le mode histoire. Enfin, c'est complètement différent que le mode ou le mode survie, mais le mode histoire, je m'attendais pas du tout à ça comme fin. Et ça m'a mis sur le cul. Et bravo, bravo aux développeurs. J'attends la suite parce que normalement il y aura d'autres histoires comme ça, d'autres chapitres, un autre DLC, une autre aventure. Et j'attends de voir ce que ça va donner. Franchement, je sais pas ce que vous en avez pensé, j'ai vraiment adoré. Et n'hésitez pas franchement à parler de ce jeu autour de vous parce qu'il est vraiment énorme. En tout cas, on se retrouve prochainement sur un jeu développé par ceux qui ont fait The Sword of Mine. Ça va s'appeler Frostpunk, on va se retrouver en live. Et c'est à peu près le même principe, sauf que cette fois-ci, on gère pas seulement 1, 2 ou 3 civils, on gère carrément des colonies. Et il y aura des choix à faire et il paraît que c'est aussi intense. En termes d'immersion, en termes d'ambiance, que The Sword of Mine. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, si elle est jeune, c'était un plaisir de partager ce let's play avec vous. See ya.